Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Auriane. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. On va parler évidemment longuement des sujets agricoles, Marc Fesneau, avec vous, mais d'abord dans l'actualité, on a appris hier que le petit-neveu de Brigitte Macron avait été gravement agressé, violemment agressé lundi soir par plusieurs individus dans la foulée de l'interview du chef de l'État en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites non déclarée. Quelle a été votre réaction à cette agression ? Pour tout vous dire, je l'ai appris tardivement hier soir puisque j'étais en débat au Sénat. D'abord, c'est une réaction quand même effrayante de ce qu'est le degré de violence. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train... tous ceux qui sont en train en permanence de justifier de la violence parce que la cause serait juste, ou de dire au fond tout ça c'est des manifestations qui sont pacifiques, on a la démonstration que ça n'est pas le cas. Et deux, vous avez quelqu'un qui est attaqué pour le seul motif de son lien familial avec Brigitte Macron et avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas de quel degré de terreur il va falloir s'accommoder pour qu'à un moment tout le monde se mette autour de la table et dénonce ces faits de violence. Vous avez l'impression qu'il y a des accommodements ? Bah, y a toujours des mais, y a des oui mais... Il y a des oui, mais la violence sociale, oui, mais la violence économique, oui, mais on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Il n'y a pas de oui, mais quand il y a de la violence. Il n'y a jamais aucune cause qui ne justifie de la violence physique qui est souvent nourrie au démarrage par de la violence verbale. Ça n'est pas anodin de mettre la tête d'un président de la République sur un billot et de simuler des scènes des décapitations. Ça n'est pas anodin de brûler des effigies à l'effigie de tel ou tel collègue ministre. Ça n'est pas anodin d'aller menacer des gens devant leurs habitations. Vous pensez que ça contribue à un climat délétère c'est un climat qui est délétère physique. Et c'est un climat de terreur parce que ça veut dire que des gens, pour leur engagement, on parlera peut-être... de l'élu de Saint-Brévin. Des gens, pour leurs engagements, ou pour les causes qu'ils défendent, ou pour les projets qu'ils sont appelés à défendre, pour défendre parfois l'intérêt général, ils sont menacés pour eux-mêmes et ils sont menacés pour leur famille. Mais où est-ce qu'on arrête cette logique-là ? Et moi, vous m'avez toujours entendu dénoncer la violence. Quelle que soit la violence, quel que soit l'élu, quelle que soit la personne qui est concernée, il faut qu'on cesse, dans le débat public, implicitement, alors tout ça est pernicieux, parce que implicitement on dit mais c'est pas grave, vous voyez bien que c'est un jeu, on entend mais qui monsieur, dit ça on a, bah, laissez-moi finir ma phrase, on entend monsieur Mélenchon à longueur de trucs, mais c'est amusant, c'est une façon de se défouler, non ça n'est pas une façon de se défouler, et je le dis très solennellement, il faut que ça s'arrête. On peut avoir des désaccords en politique, on peut avoir des débats, j'avais jusque tard cette nuit des débats au Sénat, je respecte mes adversaires, je ne menace pas mes adversaires et je n'incite pas ceux qui peuvent avoir parfois des esprits un peu égarés à passer à l'acte. Parce que les mots précèdent les faits, les gestes de violence. Et donc, il faut que ça cesse et il faut que chacun se remette un peu en ordre de marche. Enfin, il faut que mais les esprits... Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon entretient la violence dans la société ? Je vais pas moi-même faire ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, comme moi, comme tous les autres, il porte une responsabilité, c'est d'apaiser le débat, de faire qu'il y a du débat démocratique dans les enceintes où il doit avoir lieu, et pas dans la rue à taper des gens pour le seul motif. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de commenter ? On commente l'affaire de quelqu'un qui part pour ses liens familiaux, pour ses liens de sang, et menacé et violenté dans la rue. Mais où est-ce qu'on est ? Jean-Luc Mélenchon, qui a lui-même fait l'objet de violences et même d'un projet d'assassinat. C'est pas de même nature, hein, c'est pas des violences ordinaires. Là, c'est des gens qui sont. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Et je le dénonce aussi, mais je veux dire, c'est pas du tout la même nature. Là, c'est. Non, mais ça participe d'un climat général de violence. Jamais vous ne faites le tri de violence chez les adversaires. Justement, jamais. Contrairement à Mélenchon, moi, je fais pas le tri. Pour prolonger sur ce sujet, en effet, la première ministre, Elisabeth Borne, rencontrera ce soir Yannick Morez, l'ex-maire de Saint-Brévin. Les pins, il a été agressé à plusieurs reprises, hein, vous le savez, et il a fini par démissionner. Il dénonce le manque de soutien de l'État. Est-ce que justement l'État était suffisamment à ses côtés et de façon générale auprès des élus qui sont sans cesse menacés ? Comme vous le savez, je suis élu municipal, j'ai été maire. D'abord, j'ai vu monter quand même. La première fois que j'ai été élu conseiller municipal, c'était en 1995. Donc j'ai une forme d'ancienneté dans le métier, si je peux dire, désormais, hélas. J'ai vu monter cette violence et le fait que... Auparavant, la conflictualité se réglait entre voisins, la conflictualité se réglait avec le maire qui faisait figure de médiateur, et la conflictualité désormais pour les mêmes motifs. C'est-à-dire que l'espèce d'incitation à la querelle et de l'incitation à la querelle par la violence verbale puis physique. Et donc les maires sont confrontés à cette violence. Les maires sont aussi challengés dans « j'ai un projet, je suis pas d'accord avec vous et je vous menace ». Et ça m'est arrivé comme à d'autres, hein, à l'époque. Quels sont les sujets ? C'est que souvent les maires ont intériorisé et n'ont pas dit. Donc on a besoin de verbaliser les choses comme d'autres formes de violence, d'ailleurs, c'est qu'il faut que les maires puissent se saisir de la question, parce que quand on est maire et que quelqu'un vous insulte ou dit « je vais aller te tuer »,
Vous dites c'est un moment d'égarement et vous n'osez pas aller chez les gendarmes. Vous dites on va faire monter la pression. Ce qui n'est pas le cas hein, pour le maire de Saint-Brévin qui avait largement... Oui, attendez, je finis. Je vais répondre à Saint-Brévin. Et donc on a besoin de ça, et c'est d'ailleurs un certain nombre de dispositions successives sous le quinquennat précédent qui ont été prises pour que les associations puissent être parties civiles. J'entends ce que dit le maire, alors il va être vu par la Première Ministre, il rencontrera aussi ma collègue Dominique Faure, il échangera sur ce qui a pu faire défaut ou pas faire défaut, il y a le sentiment, l'important c'est qu'il ait eu le sentiment qu'il n'était pas assez accompagné. C'est même plus la question des faits. Donc on a besoin sans doute de renforcer notre arsenal, de penser que toute la chaîne, il n'y a pas que l'État, hein. Les collègues maires... chacun tient une part de la chaîne de solidarité qui fait qu'on laisse pas un élu ou quelqu'un qui porte un projet d'ailleurs en soi. Mais l'élu, il est détenteur d'une spécificité, c'est qu'il est élu pour prendre des décisions et il représente l'intérêt général dans son territoire. Il essaye de le représenter. Et donc on a besoin sans doute de solidifier les liens. Mais vous voyez bien que là, c'est un... Il y a beaucoup de maires qui sont dans ces situations-là et qui abandonnent leur mandat. Alors là, 4000 élus locaux ont démissionné depuis 2020. Oui, mais c'est un climat de violence. Vous écoutez les parlementaires. Il y en a beaucoup qui disent « je ne retournerai plus jamais à l'Assemblée nationale, mais on me menace chez moi, on a muré mon domicile ». Et ça, c'est la démocratie qu'on entrave. Donc il faut défendre ce maire ou cet ancien maire et défendre le principe que l'intérêt général, que les gens qui s'engagent, ils doivent être encouragés, pas découragés et pas menacés. Vous avez 500 000 élus locaux, et il faut qu'on prête attention. C'est-à-dire qu'il faut faire attention au bruit faible. Là aussi, il y a une responsabilité d'un certain nombre de gens. Qui a appelé à manifester? Et qui a montré du doigt ce maire? C'est M. Zemmour et ses amis. C'est Mme Le Pen et ses amis. Et qui maintenant disent « je récuse la violence ». Mais quand vous montrez du doigt comme ça des gens, et avec les mots qui ont été employés, évidemment, vous incitez des gens. Donc ils ont une part de responsabilité selon vous. Mais tout le monde a une part de responsabilité. L'État doit accompagner, et s'il y a des choses, et ça sera regardé, mais je ne crois pas sur ce sujet-là, mais on verra, je ne fais pas de grief au maire, et puis il ne faut pas entretenir de querelles en plus. Mais ceux qui parlent de la violence comme ça, qui la justifient ou qui la légitiment, ils ont une responsabilité. On va parler de la réforme des retraites. Oui, puisque les trois groupes de la majorité à l'Assemblée nationale ont décidé hier de s'opposer à la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, en brandissant un argument qui est celui de sa constitutionnalité, en se basant sur l'article 40, qui empêche de créer de nouvelles dépenses publiques ou d'affaiblir le budget. Est-ce que c'est la bonne stratégie, selon vous ? Enfin, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de fait. Ce texte, je l'ai dit il y a quelques jours sur une autre antenne, l'article 40, ça existe, il n'a pas été inventé par les parlementaires, il a été produit par Michel Debré, le général de Gaulle, en 58. L'article 40 n'est pas un article nouveau, c'est un article qui a été créé dès la Constitution de 58. Mmh. Et qui dit quoi ? Qui dit qu'on ne peut pas engager une dépense nouvelle... C'est inconstitutionnel dès lors que l'État ne lève pas le gage. C'est un fait. Qu'on pose la question d'une loi. Si ce texte était déféré au Conseil constitutionnel, tout le monde a le droit de le déférer, il serait jugé inconstitutionnel sans doute. Pourquoi ? Parce qu'il aurait enfreint le principe de l'article 40. Ce qui est le cas pour une grande partie des textes de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Les personnes qui sont spécialistes de la vie parlementaire le savent très bien. Il y a beaucoup de propositions qui sont assises sur une augmentation des taxes sur les alcools et tabac. Ça passe quand même. Et pourtant, là, on soulève quand même quelque chose de particulier. Dans ces cas-là, le gouvernement, on dit qu'il lève le gage. Il lève le gage. Et là, pardon, c'est un tout petit gage. Hein, c'est un gage à 14 milliards. Non mais là, est-ce donc c'est le montant qui fait la différence. Non mais est-ce qu'on si jamais il n'y a pas d'article 40, il faut que les gens qui portent ça, qui remettent en cause au fond la Constitution, il faut qu'ils aient un amendement qui vise à supprimer l'article 40. Mais alors, on ouvre une porte, je le dis, parce que on vit dans un état de droit. C'est pas parce qu'on est dans un moment éruptif et dans un moment où il y a des gens qui ont perdu complètement le sens des choses qu'il faut s'affranchir de toutes les règles, y compris les règles constitutionnelles. Attendez, je finis. Le texte a passé la commission de recevabilité. Moi, je vous demanderai au président de la Commission des finances pourquoi il a jugé que ce texte n'entraînait pas une dépense supplémentaire et qu'il était recevable. Mais c'est lui que vous interrogerez, c'est pas moi. Moi, je ne viens pas m'interférer dans ces affaires-là. Mais si vous ouvrez cette boîte-là sans rien dire, ça veut dire que vous pouvez faire tous les jours des textes à 20 milliards sans vous soucier le moins du monde de son financement. Quand même, le sujet des retraites, qu'est-ce qui a justifié la réforme des retraites ? C'est pas le plaisir d'être en défaut avec les Français, de nourrir des querelles avec eux. C'est que nous avons un système de retraite qui est déficitaire, déjà aujourd'hui, et qui va l'être demain. La seule question qui compte à l'endroit de la proposition, au-delà de la question constitutionnelle, c'est qui paye, qui finance. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un signe de fragilité de la majorité quand même ? Est-ce que vous ne dites pas, ce texte peut passer, donc est-ce qu'on a le droit, dans une démocratie, de simplement rappeler ce qui est la règle constitutionnelle Est-ce qu'on a le droit? J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire, il ne faut pas qu'on fasse de l'obstruction. On se fait donner la leçon dans la majorité par des gens
qui ont fait 20 000 à 30 000 amendements, et quand on en ferait 100, on ferait de l'obstruction. Non, mais on a dévoyé les esprits. On a bien entendu la musique ces derniers c'est temps. Du musique, côté de la, non, si, si, de moi, je pense que c'est une musique depuis quelques semaines, puisque vous ne savez pas par quel bout attaquer ce texte, qui est en effet une épine dans le pied du gouvernement. On l'entend bien, puisqu'il risque d'être voté s'il passe dans l'hémicycle. Mais cela dit, est-ce que il n'y a pas une sorte de, je répète le mot, de stratégie, et qui est en plus délétère, puisque certains, comme Laurent Berger, patron de la CFDT, qui dit que si le texte ne passe pas, ce serait inacceptable. Bertrand Pancher, le président du groupe Liotte, qui a déposé le texte, dit que ce serait un bâton de dynamite qui serait allumé. Est-ce que voilà des mots qu'on ferait mieux de pas employer dans la vie. Voilà des mots qu'on ferait mieux de pas employer dans la vie. Monsieur Pancher, il a aussi une responsabilité. Quel bâton de dynamite ? Quelle responsabilité ? Non, mais quand on dit bâton de dynamite qu'on lâcherait, vous voyez qu'on. De la colère sociale, il veut dire. Oui, non mais n'habillons pas les mots, parce qu'on a commencé par la violence. C'est pas un bâton de dynamite. On peut avoir un désaccord politique, on peut avoir un désaccord démocratique. Enfin, c'est pas un bâton de dynamite. Un bâton de dynamite, c'est un truc concret. Alors, je vais au bout de la réponse. Pardon de le dire. On a un déficit sur les retraites, à moins que M. Pancher nous dise le contraire. Le texte, il vise simplement à supprimer le passage de 62 à 64. Et qu'est-ce qu'il propose pour financer ? Une conférence sociale. Non, oui, d'accord. Ça, c'est pas l'irresponsabilité, ça. Non, ça, c'est pas grave de dire « je ne sais pas comment on finance, j'abroge ». Ah si, vous avez fait une erreur. Il propose d'augmenter les taxes sur les tabacs et boissons. Ça fera plaisir dans l'opinion publique. C'est quand même un haut degré d'irresponsabilité. Et j'ai le droit de le dire, et c'est pas une insulte que de dire que quand vous avez un déficit comme celui-là, il n'est pas illégitime. Pardon, pas faire offense à personne, mais que dans le débat démocratique, même la majorité, fût-elle relative, dise « comment on finance ?» Or là, c'est « je supprime ». Je garde d'ailleurs un certain nombre de dispositions du projet de loi tel qu'il a été validé par le Conseil constitutionnel, qui, elle, crée de la dépense, et je ne dis pas un mot de comment je finance. Mais qui se moque de qui, là ? Donc cette inconstitutionnalité, vous la soulèverez durant le débat à l'hémicycle. Hein. Je suis ministre. Vous n'avez pas vocation à vous élever vous-même. Mais... J'essaie de respecter la séparation des Allez, on va parler agriculture parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Et d'abord, l'inquiétude majeure des agriculteurs, c'est la sécheresse ou les pluies, dans certains cas, comme le Nord. Région, c'est plutôt ça. On va en parler. Est-ce que, concernant la sécheresse, les pluies de ces dernières semaines ont permis d'améliorer la situation des agriculteurs ? On en est où aujourd'hui ? Les pluies ont quand même amélioré grandement la situation sur les trois quarts du pays. Nous avions une inquiétude qui était née d'une pluviométrie très inférieure en février. Elle a été très supérieure en mars, plutôt supérieure en avril, et plutôt dans la moyenne au moins en mai, le mois n'étant pas terminé. Avec des températures par ailleurs qui sont des températures plutôt sous les moyennes saisonnières. Ce qui m'invite à deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on, nous, politiques, qu'on s'évite de commenter la météo tous les matins, parce que je pense qu'on a besoin de raisonner à 30 ans ce sujet du dérèglement climatique et pas est-ce qu'il va faire beau dans 15 jours. Ça, c'est l'affaire des météorologues. Et moi, qui suis assez passionné de météorologie, je le laisse aux météorologues. Faut pas qu'on commente parce que vous avez raison. Je l'avais d'ailleurs dit au moment du salon de l'agriculture. J'ai dit attention, on est en train de parler de sécheresse et dans deux mois, vous verrez, on dira il y a trop d'eau. Oui, chez nous, c'est le cas. Voilà, et c'est le cas chez vous. Donc c'est mieux. Alors, ça ne veut pas dire que l'état des nappes s'est amélioré. Ça veut dire juste que... La pluviométrie étant au rendez-vous, et parfois trop au rendez-vous, on a moins de besoin d'irrigation. Je pense aux céréales à la paille, dans une région comme la mienne. Manifestement, comme en plus les températures ont été normales, il n'y aura pas besoin d'irrigation. Alors, ça veut mais pas est-ce, que, est-ce que vous y voyez plus clair juste sur les conséquences pour les récoltes ? Non, mais à date, non. Enfin, je veux dire, y a rien n'a été récolté. On est le 15 mai. Alors maintenant, on est dans une espèce d'anticipation. On ne connaît l'état des récoltes, pardon de le dire comme ça, qu'à la récolte. Donc on ne peut pas dire si on va manquer de pêche, d'abricots cet été. On ne peut pas dire aujourd'hui, où est-ce qu'on peut nourrir des inquiétudes ? Dans des régions, alors par contre, donc on a des nappes qui ne sont pas reconstituées, mais de l'eau qui vient couvrir le besoin des plantes à date partout, sauf quand même sur le bassin méditerranéen, donc ça c'est plutôt un élément de réassurance. Deuxième élément, des zones comme celles que vous connaissez le mieux, non, pas de Calais, qui empêchent l'implantation, on finit par être tard. Alors, ceci dit, là aussi on commande des choses tous les ans. Moi, je ne connais pas une météo parfaite sur toute la France chaque année. Enfin, tous les ans, il y a trop d'eau. Le problème de la météo, c'est quand elle dure trop longtemps, comme disent les paysans. C'est trop de pluie, trop de chaud, trop de sec, trop de froid, trop de vent. C'est l'excès de quelque chose qui est mauvais en météo. Donc, on peut nourrir quelques inquiétudes sur la région Hauts-de-France pour les raisons de pommes de terre. Betteraves et autres. Pour les betteraves aussi, qui ont pris du retard et qui ne pourront peut-être pas être plantées pour un certain nombre d'entre elles, reconnaissant les choses. Mais ça, c'est le rythme classique. De ce point de vue-là, pas de...
pas de, d'inquiétude au-delà de ce que peuvent nourrir des inquiétudes d'une fluctuation. Et puis dans le sud, plutôt sur effectivement les fruits, aussi le maraîchage. Mais le maraîchage, c'est plus réparti. Dans le sud, c'est quand même... l'arboriculture est très présente. Donc, trop tôt aussi pour dire si on va devoir payer certains produits plus chers. Non, mais là, pour le coup, on peut nourrir des inquiétudes parce qu'on voit bien, j'étais dans les Pyrénées-Orientales, qu'il y a des arbres qu'on est obligé de délester de leurs fruits parce qu'ils ne pourront pas supporter la sécheresse pour eux-mêmes et pour les fruits. Donc, il faut faire un choix de récolte ou de non-récolte. Et donc là, on peut penser qu'il y aura une raréfaction, d'autant plus que d'ailleurs... Mais de quel fruit ? Pêche, nectarine, des sujets comme ça, des fruits de cette nature-là. Qui sont du coup plus chers ? On ne peut pas dire à date, mais il peut y avoir un risque. Et ce d'autant qu'il vient se rajouter un sujet, c'est que de l'autre côté de la frontière pyrénéenne, les Espagnols, eux, sont très gravement touchés sur la quasi-totalité de leur territoire par un épisode de sécheresse intense. Donc on a besoin... Donc ça, c'est la vigilance du court terme. Après, on a besoin de construire territoire par territoire une forme de résilience. Bon. Cette année, dans les Hauts-de-France, c'est trop d'eau. Personne ne sait dire si dans 5 ans, dans les Hauts-de-France, c'est pas assez d'eau. Oui, voire même si dans 3 mois, il n'y aura pas en effet une nouvelle canicule. Personne ne le sait. Mais donc, on a besoin de construire, en revanche, une résilience des systèmes agricoles. La résilience, c'est pas la disparition. C'est quels sont les modèles qui seront les mieux adaptés à des phénomènes climatiques qui s'intensifient. Trop d'eau, pas assez d'eau, trop de chaud souvent. Mais juste une précision sur la question de l'eau, parce que quand Emmanuel Macron a présenté son plan eau, dans la foulée, vous étiez devant le congrès de la FNSEA et vous leur avez dit que les agriculteurs n'auraient pas à fournir d'efforts supplémentaires et n'auront donc pas à baisser leurs prélèvements. La semaine dernière sur LCP, Christophe Béchu, votre collègue ministre de la Transition écologique, assure que la filière agricole sera concernée par les efforts à fournir. Oui, c'est des efforts de même nature. C'est le prélèvement net peut rester stable parce qu'on va avoir besoin de plus d'irrigation en France. Parce qu'il y a des territoires qui n'avaient pas besoin. Je pense à la filière pommes de terre, c'est des territoires où on arrosait un peu les pommes de terre, mais il y a des zones maintenant qui sont plus en nécessité. Simplement, les efforts que doit faire l'agriculture, c'est les efforts de sobriété à l'hectare. C'est ce que j'avais d'ailleurs dit à l'endroit que vous indiquez au congrès de la FNSEA. J'avais dit, le prélèvement net, dire qu'on va le réduire, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a un 6% des surfaces seulement sont irriguées en France. 10, 15, 20%, on est moins en surface irriguée que les Pays-Bas. Bon, donc on n'est pas... On peut pas, il ne faut pas se vilipender et s'autoflageller. Simplement, on a besoin de sobriété à l'hectare parce qu'il y a un besoin de prise de conscience collective, mais les agriculteurs l'ont déjà pris, pour faire en sorte que chaque goutte utilisée soit le mieux utilisée, le plus efficace. Mais vous confirmez qu'il n'y aura pas de baisse des prélèvements ? Mais l'idée, c'est d'avoir une stabilisation sur la partie agricole. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin... Une non-baisse des prélèvements, c'est déjà un effort. Parce que beaucoup nous demandaient une augmentation des prélèvements agricoles. Mais une non-baisse, ça passe par une sobriété à l'hectare. Mais en demander plus que ça, c'est renoncer à l'agriculture dans un certain nombre de territoires. L'autre sujet d'inquiétude, c'est la résurgence de la grippe aviaire. Il y a combien de cas aujourd'hui sur le territoire ? Il y en a eu un peu plus de 300. On a surtout une inquiétude sur une résurgence dans le sud-ouest. C'est une zone qui avait été assez épargnée. À date hier, une trentaine de cas en une dizaine de jours. Malheureusement, sans qu'on sache, alors ça c'est la science qui documentera, sans qu'on sache pourquoi cette résurgence, on sait, vous savez très bien hein, comme moi, que théoriquement la grippe aviaire c'était plutôt automnale en fonction des migrations. L'an dernier, on a vu apparaître le fait que on avait plutôt une présence permanente du virus et qui n'était pas liée aux migrations des oiseaux. Mais théoriquement, quand on arrive au printemps, les températures font que la grippe aviaire disparaît, qu'on a une période de pause plutôt entre mai et septembre-octobre. Malheureusement, là, on a une résurgence un peu inexpliquée, d'ailleurs. Enfin, bon. Hier, je réunissais les acteurs de la filière. – Et la stratégie ?– Oui. C'est la stratégie qui va être celle habituelle, c'est les confinements, c'est le dépeuplement. – Il va y avoir des abattages ?– Il va y avoir des abattages ?– Ah bah, c'est déjà fait. Hein. – Combien ?– Pardon, on est à combien ?– Je ne sais pas en nombre d'animaux, mais c'est vous avez 31 foyers, vous avez une zone autour du foyer, vous avez le foyer, et vous avez une zone un peu plus large pour éviter les contaminations, parce qu'on sait que c'est une contamination qui est large. Donc, mesure classique, malheureusement. Donc ça, c'est un point d'inquiétude. Et puis deux, je réunissais aussi les acteurs de la filière hier, parce qu'on a heureusement aujourd'hui une solution vaccinale, en particulier pour les canards, qui sont ceux qui sont les plus... vecteurs du virus, et on travaille actuellement au déploiement, comme je m'y étais engagé devant les éleveurs d'ailleurs, au déploiement d'un vaccin pour le mois de septembre-octobre, pour que la saison prochaine... Alors ça n'éliminera pas le virus, mais ça, normalement, ce vaccin qui a été expérimenté à grande vitesse aussi, hein, c'est en moins d'un an, il permet d'éviter la surcontamination. Donc ça sera septembre, ça concernera là aussi, parce que là il y avait des tests, des expérimentations, là ça sera généralisé sur le territoire. On attend les derniers résultats de l'expérimentation, l'idée c'est d'expérimenter, de généraliser sur l'ensemble du territoire, c'est les canards qui sont la cible principale, parce que c'est ceux qui sont le plus vecteurs et ceux qui sont le plus malades, si je peux dire. Parce qu'ils excrètent beaucoup plus de virus que d'autres. Ça n'empêche pas la vigilance sur d'autres, donc on va regarder comment ça se passe. Et puis il y a un sujet, il faut qu'on le pense en européen,
Et nous sommes sur des filières qui exportent. Et donc, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal, c'est-à-dire que ça vienne obérer les capacités d'exportation. Je serai dimanche à exposer la position française sur la vaccination dans le cadre de la grippe aviaire pour défendre aussi la filière dans sa capacité d'exportation. Alors, autre sujet qui vous a occupé jusqu'au cœur de la nuit, j'ai cru comprendre, les sénateurs... Oui, au cœur de la nuit, je confirme. Exactement. Les sénateurs ont voté la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, hein, c'est l'intitulé. Alors, les écologistes ont dénoncé une régression environnementale et finalement un texte qui répond favorablement plutôt au lobby et à la FNSEA. Est-ce que vous êtes de leur avis, puisque vous n'étiez pas favorable à certaines des mesures de ce texte? Mais je disais aux écologistes que si on pouvait éviter les caricatures... Ça serait mieux sur ces sujets-là, parce que l'agriculture souffre, et les agriculteurs, encore plus, ou beaucoup plus, trop des caricatures qui Donc leur sont faites. Ce n'est pas une régression environnementale. Attendez, il y a dans ce texte des sujets qui sont, à mon avis, justes. C'est la question de la compétitivité. Et j'ai l'impression que le mot compétitivité est gêné pour certains dans l'hémicycle. Enfin, nous sommes dans une filière économique. Ce n'est pas une filière esthétique, hein, l'agriculture. Il y a besoin que les gens gagnent leur vie, et il y a besoin que dans la concurrence, je ne parle pas de la concurrence mondiale, dans la concurrence européenne, on ait une agriculture qui soit compétitive. Donc le mot compétitivité n'est pas... un mauvais registre. Et c'est en cela que l'initiative du sénateur Duplomb, du sénateur Louault, du sénateur Mériou, de la rapporteure présidente Sophie Promat est une bonne initiative parce qu'il y a des dispositions sur lesquelles ils ont voulu pointer du doigt la question du portage de capitaux, de l'épargne, la question de comment on a une réglementation qui ne vient pas se surajouter à celle qui existe déjà, comment on essaie de raccourcir les délais. Puis il y avait des objets de désaccord avec le Sénat. Là aussi, on peut le dire, vous voyez, sans tomber dans la caricature, qui est en particulier la remise en cause d'un certain nombre d'équilibres qui ont été portés et qui sont le fruit, non pas de la majorité qui soutenait François Hollande, mais aussi sous Nicolas Sarkozy, parce que le principe de précaution, c'est sous Jacques Chirac. Le Grenelle de l'environnement et la trajectoire de baisse des pesticides, c'est sous Nicolas Sarkozy avec Jean-Louis Borloo, hein. Donc chacun a fait son œuvre. Simplement, on a besoin de penser en conscience quels sont les outils de la modernisation. Et je trouve que ce texte de loi, et j'ai dit hier ce en quoi le gouvernement était en accord et ce en quoi le gouvernement était en désaccord. Alors, ce débat démocratique. Ce sur quoi vous êtes en désaccord, c'est notamment une disposition qui doit permettre au ministre de l'Agriculture que vous êtes de suspendre une décision de l'ANSES qui interdirait certains produits phytosanitaires. Pourquoi vous n'y êtes pas favorable? Parce que je trouve que l'équilibre qui a été trouvé, je pense que était maintenant posé sur la table et que revenir en permanence sur les dispositions. En fait, on a un problème en France, on change la loi. Est-ce qu'on peut pas simplement ce que j'ai dit d'ailleurs, y compris dans la polémique qui est née de ce que j'avais dit sur l'ANSES. L'ANSES, elle a mis des avis et il n'est pas illégitime que, n'étant pas une autorité indépendante, hein. C'est une agence de l'État, sous co-tutelle de 5 ministères. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas remettre en cause la science que de dire on a besoin de débat. D'ailleurs, sur la grippe aviaire, je le rappelais aux écologistes, ils ont été les premiers à remettre en cause les préconisations de l'ANSES. Sur les nitrites, ils sont les premiers à dire je ne suis pas d'accord avec l'ANSES. Donc, on peut avoir ce débat-là, mais il me semble que remettre en cause, et d'une certaine façon subrepticement, d'ailleurs, la présidente Prima a dit la question n'est pas de remettre en cause l'excellence du travail et la science. Donc à ce moment-là, ne remettons pas en cause cela et essayons avec l'ANSES de construire une stratégie qui soit pas seulement la stratégie de l'analyse scientifique et qui est juste et qui est nécessaire, mais la stratégie de la transition et des alternatives à trouver. Parce que l'ANSES... Est-ce que la mission de l'ANSES, c'est pas d'avoir un avis scientifique sur des produits, type le S-métholachlore, et pas de s'interroger sur le fait de savoir si c'est en adéquation et c'est le bon timing par rapport à la réglementation européenne? Pardon de dire que je trouve pas que les questions qui est posée dans ce registre n'est pas complètement idiote, parce que... Le S-métholachlore est un herbicide, un désherbant, donc, chimique. S'il est interdit en France et pas dans les 26 pays européens, qu'est-ce que j'ai gagné? Je ne sais pas, la santé des gens? Non, mais vous avez... C'est une question, parce que c'est le but de l'ANSES, hein, de protéger les gens. Serait-ce à dire que les 26 autres pays se moquent totalement de la santé des gens? Quel jugement d'arrogance, quand même, nous aurions à dire ça. Mais c'est une vraie question. Mais vous avez raison, mais est-ce qu'on peut poser la question sans faire insulte, de dire, les 26 autres, les Allemands, le collègue allemand, il vient de chez les Verts. Bon... Il n'est pas suspect, donc, par nature. Et c'est quelqu'un avec qui je travaille très bien, par ailleurs. Mais chez eux, ils l'ont pas fait pour l'instant. Si c'est au niveau européen, ça a un double avantage. Un, on ne crée pas de distorsion entre nous. Et deux, ça permet de l'imposer aux frontières. Pas de surréglementation, non, mais on le sait. Il peut arriver qu'il y ait de la surréglementation. Ça peut s'assumer. D'ailleurs, hier, ce qui était amusant, c'est qu'y compris les sénateurs proposaient de la surréglementation. Mais si on pouvait le faire dans une chronologie qui soit crédible, je pense que ça serait mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut en rabattre sur la question de la réduction des phytos. Marc Fesneau, malheureusement, le temps file. On va dire un mot des sénatoriales, puisque ça aurait lieu en septembre. Vous êtes chargé des négociations au sein de la majorité pour le MoDem.
Bon, ça vous occupe un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y aura des listes communes Modem, Renaissance, Horizon pour les sénateurs? Oui, bien sûr. Alors après, vous savez aussi mieux que moi, mais, parce que le Sénat, c'est quand même une assemblée particulière. Vous savez très bien que c'est à la fois, dans les scrutins de liste, parfois plusieurs listes qui s'expriment pour des raisons diverses et variées, bonnes ou moins bonnes d'ailleurs, pour parfois contourner la parité, on va pas dire le contraire. Hein, et ça, c'est valable dans tous les partis. Vous avez parfois des querelles à l'intérieur qui créent... c'est valable dans tous les partis, je vois ça partout, et donc ça peut arriver, y compris dans la majorité. Vous avez des scrutins uninominaux où c'est pas tellement l'étiquette qui compte, mais c'est la personnalité. Il y a des gens qui sont élus sur leur territoire, normalement ça ne correspond pas à l'étiquette du territoire. Donc il y aura des listes communes, il y aura des listes qu'on soutiendra en commun. Il y a des gens qui ne demandent pas de soutien, mais qui bénéficieront au fond de la bienveillance et de la non-compétition avec nos listes ou avec des candidats de chez nous. Enfin, il y a toutes ces formules-là. Donc... Bon, des LR, dans ces cas-là, vous savez, quand vous regardez la candidature et l'étiquetage, c'est plutôt des divers. C'est le règne sénatorial. Mais ça veut dire que vous êtes optimiste sur un accord. Oui, mais attention à ne pas. Est-ce que le fait que Renaissance ait réinvesti d'emblée tous ses sortants sans vous prévenir, ça a créé un point de contact? Je pense qu'on a besoin de se parler, qu'on a besoin d'avoir des... Moi, je pense qu'une négociation, d'abord, elle doit être secrète. Et j'ai toujours mené les négociations en ne racontant pas ce qui s'y passe, parce que je pense que l'arrière-cuisine n'a pas d'intérêt. Elle est pas affreuse, hein, mais c'est juste que ça n'a pas d'intérêt. En cours de chemin, c'est important, c'est le résultat. Et donc, moi, je veille à faire en sorte que tout le monde soit représenté, qu'on préserve les sortants, ce qui n'empêche pas le débat de dire est-ce que celui-là est mieux positionné qu'un autre. Et ça n'empêche pas, chez nous comme ailleurs, qu'il puisse y avoir des désaccords. Mais vous avez une idée de la répartition entre Renaissance, Horizon? Oui, j'ai une idée, mais que je ne vous donnerai pas là, parce que nous sommes, justement, pour les raisons que je viens d'évoquer en cours de discussion, et que je n'ai pas envie de préempter un débat, parce que c'est un travail qui doit se faire à trois, et personne ne peut sortir du bois sans les autres. Et monsieur le ministre, dernière question, mais à force de vous occuper des sénatoriales, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'y participer? J'aime beaucoup le Sénat, vous le savez. Mmh. Je l'aime depuis 22 ans. Je ne crois pas que ce soit le bon timing, pour être très honnête et essayer de répondre franchement à votre question. Mais j'aime beaucoup le Sénat. Vous êtes prêt à attendre 6 ans? Il ne faut jamais être pressé. J'ai jamais eu la réputation d'être un homme pressé. Puis si ce n'est pas dans 6 ans et que ce n'est pas possible, mais... Mais ce ne sera pas là. Ce sera non, mais j'ai été élu sur mon territoire comme parlementaire. Je suis devenu ministre de l'Agriculture. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du respect des électeurs auquel j'essaie de me tenir. Et pour éviter de donner des leçons aux autres, il faut s'appliquer à soi-même des principes. Et donc, j'essaie de me tenir à celle... Je ne dis pas que je suis pareil que de toutes les vertus, mais je ne crois pas que ce soit le moment, même si vraiment, je reconnais me sentir particulièrement bien au Sénat depuis très longtemps. Merci Marc Fesneau, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. La une de la Voix du Nord, on en parlait, champ gorgé d'eau, enfin une éclaircie. Oui, mais avec toutes les difficultés que ça peut provoquer en effet. Et c'est à lire dans la Voix du Nord, merci Julien, merci Marc Fesneau. Merci.